Salut à tous, lundi 18h, c'est Bistro Vélo. Alors on perd pas de temps et on regarde tout de suite le menu de votre émission avec notre invité qui revient de Catalogne. Alors on va commencer par un petit gazpacho catalan, je vous donne pas encore son identité. On parlera aussi de Flandre, et oui, milieu de semaine, il y aura à travers les Flandres. Dimanche, ce sera le Ronde van Vlaanderen et on reviendra également sur Grand Wevelgem. Un bon gâteau de Savoie pour terminer. Il est né à Grenoble, mais il vit à Chambéry. Il a tout fait à Chambéry. C'est Nance Peters que l'on retrouve. Nance, à la tienne. Comment ça va? Merci Guillaume, merci pour ton invitation. Très bien. Tu reviens juste de Catalogne, là. On va regarder un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le graphique, comme on appelle chez nous, le palmarès de Nance Peters, qui a fait toute sa carrière hein, chez Vincent Lavenue. Tu as commencé dans l'équipe Chambéry Cyclisme Formation. Tu es passé pro en 2017. Toi qui as été Vélo d'Or Espoir Français, c'était en 2015. Le palmarès, il est déjà lourd. Tu gagnes peu, mais tu gagnes bien. Une étape du Tour de France, c'était à Loudenvielle, tout le monde s'en souvient, en 2020. Une étape sur le Giro à Antols. On aime Antols sur Eurosport. Il y a du biathlon aussi là-bas, c'était en 2019. Et récemment, une course incroyable, le trophée Laiguelia. 35 à l'arrivée, et Nance Peters pour s'imposer. La Catalogne, ça s'est passé comment? Tu t'es échappé? Tu peux pas t'empêcher de t'échapper? C'était sur la quatrième étape? Ouais, c'est ça, c'est ma marque de fabrique. Moi, je suis un coureur qui bat de l'avant et c'est ma seule manière de m'exprimer. Je ne suis pas un coureur de classement généraux. Je ne suis pas le meilleur grimpeur. Je suis peut-être le moins bon des sprinteurs du peloton. Donc voilà, il faut que j'aille de l'avant pour essayer de mettre sous les lumières. En préparant cette émission, on m'a dit Nance, il aime courir. Il aime mettre des dossards. C'est vrai que j'ai regardé depuis le début de la saison, c'est quand même assez impressionnant. Tu les enchaînes les courses. Tu as besoin de dossards pour prendre du plaisir dans ton métier? Ouais, complètement. C'est ce que je préfère dans mon métier, c'est les courses. On s'entraîne pour être sur les courses, pour être fort sur les courses. Et c'est grisant. Plus on en fait, plus on veut en faire. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais même ajouté encore une petite course en début d'année, un petit au bar ou quelque chose comme ça. Le mois de février était un peu long, 4 semaines sans courir autour de l'Australie, ça me manquait. Donc, ouais, j'aime les gros enchaînements, les gros blocs de course, et c'est ce qui me met sous pression et ce qui me met en bonne canne. Et si on compare, tu te sens mieux après avoir enchaîné 2-3 dossards haute intensité ou en prenant 4-5 jours à faire des longues sorties à border pendant 5 ou 6 heures? Ouais, souvent là où je marche le mieux, c'est quand je sors de stage, que je fais des gros volumes, pas forcément beaucoup d'intensité, mais j'ai besoin de faire des heures de selle. Et donc soit sortie de stage, soit sortie de course, on le voit sur les grands tours, souvent au bout d'une semaine, c'est là que j'atteins mon meilleur niveau. Et même sur les courses d'une semaine, au bout de 3-4 jours, c'est là où je suis meilleur, mieux que sur la première étape en tout cas. Vous savez, nous sommes en direct sur YouTube tous les soirs à 18h. Vous pouvez retrouver l'émission et vous pouvez poser vos questions. Il y a Fred qui vient d'arriver, il y a Clem qui est là, Adri également qui commence à envoyer quelques missives. On en reparlera dans quelques instants. Moi, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier du côté de Montjuïc. Tu étais un témoin privilégié. Bah, c'était un petit peu toute la semaine. Un coup Remco, un coup Pribosch et les autres derrière. Impressionnant ce qu'ils ont fait, victoire hier, dernière étape de Remco, le général pour Primož Roglič. C'est dur d'exister quand on s'envoie des watts comme ça? Je pense que vous avez mieux vu la course que moi. Moi, je la voyais en replay parce que au moment où ils se mettaient des grandes peignées, j'étais plus à leur hauteur. Et c'est vrai que les deux, ils sont énormes. Et nous, derrière, on se partage les miettes. Voilà, si on prend la Catalogne, c'était Evenepoel, c'était Roglič, mais sur les autres fronts, on a Van Aert, on a Pogacar, on a Van Der Poel. Et après, il ne reste plus grand-chose. Une fois que ces 5 coureurs-là se sont servis, nous, on prend ce qui reste. Alors bon, voilà, faut se jeter sur les miettes quand il y en a une qui traîne, quoi. Et ils disent quoi, les DS, au matin? Ils font des plans pour être 3, pour être 4? Parce que là, c'est compliqué d'exister. On l'a vu hier sur Grand Wevelgem aussi. Alors, y a, on joue sur différents tableaux. Des fois, on espère toujours forcément courir pour gagner. Hein, sinon, on ne prendrait pas le départ, ça vaut pas le coup. Mais voilà, on essaye de prendre l'échappée. On se dit, il y a quand même une chance. Il y a des journées qui sont propices aux échappées. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché sur la Catalogne. Mais il y a toujours des courses qui arrivent pour les opportunistes. Et après, les places d'honneur pour le classement général, dans le top 10 en World Tour sur une course d'une semaine, c'est quand même quelque chose qui cause. Donc voilà, on a toujours un leader avec principalement Ben O'Connor autour de lui. Et après, voilà, on joue sur deux tableaux.
Ouais, de tableau, et puis tu as déjà gagné, toi. Vincent doit être content. C'était sur le trophée La Aiguilla. Alors, on a une photo de toi à l'arrivée, justement. Ça tombe bien. Il y a une question. Je ne sais plus qui c'était. C'était Clément qui te félicitait pour cette victoire. Il te demandait est-ce que tu n'étais pas un peu dégoûté que cette course ne soit pas retransmise à la télé? Pas de chance, hein, parce qu'elles sont toutes retransmises en ce moment. Trophée La Aiguilla, tu t'imposes. On voit, hein, le podium. Tout le monde est transi. 35 à l'arrivée. Temps pourri. Tu étais déçu de pas être à la télé? Bon, tant pis, ce qui compte, c'est d'avoir la ligne au palmarès. Après, la télé, c'est sûr que c'est bien, c'est du bonus. Mais bah, pour tous ceux qui me suivent, c'est sûr que c'est mieux d'avoir la télé. Et bah, on compte sur vous pour l'année prochaine, pour qu'elle y soit. Non, mais change de course. Nous, on avait trois courses ce jour-là. Je change de course. Ouais. Copy Bartali, je suis désolé pour Rémi Cavagna, je suis désolé pour ceux qui ont gagné là-bas. Mais on les a pas vus. On les a pas vus. On va écouter quelqu'un que tu connais bien. Tu as normalement quelques vidéos sur ton portable. Bah, c'est celui qui t'entraîne au jour le jour. C'est Alexandre Abel, ton entraîneur dans cette équipe AG2R Citroën Team. La vidéo. Oui. Parti. Salut Lance, j'imagine que tu as respecté le programme à la lettre aujourd'hui comme d'habitude. Du coup, une question en conséquence, préférerais-tu avoir la valise la mieux organisée du World Tour ou gagner un... Salut Lance, j'imagine... Toi, t'es bordélique. Vu la question, t'es bordélique. Alors non, pas C'est du tout. l'inverse. Je pense que la valise la mieux rangée du peloton, je l'ai déjà. Donc je préfère gagner un monument parce que voilà, le classement de la valise, c'est clair et net. Je suis le mieux organisé du peloton, donc C'est-à-dire, tout est au ah millimètre. ouais. Ouais, moi je suis très carré. Chaque chose est à un endroit précis. La paire de chaussettes, elle va dans un coin de la valise On est et proche du toc là, Nantes. non, mais au moins je suis organisé et je sais que je me disperse pas. Je sais où j'ouvre ma valise, je sais ce dont j'ai besoin pour le lendemain et voilà, tout est calé. Tout est toujours nickel, au moins je sais où j'en suis, quoi. Qu'est-ce que tu travailles en ce moment avec Christophe? Et Christophe? Pardon, avec Alexandre. Avec Alexandre, Avec Alex, avec Alexandre pas de Abel. souci. Et ben, c'est vrai que j'avais perdu un petit peu de qualité, d'explosivité sur mes deux dernières saisons qui ont été un petit peu compliquées avec pas mal de petits soucis de santé, tout ça. Et donc, on a rebossé pas mal l'explosivité cette année. On a fait une prépa inversée où on a d'abord bossé les intensités avant de bosser le volume. Et ça m'a plutôt bien réussi avec notamment des cyclocross, tout ça, pour avoir une bonne condition dès la reprise de la saison en Australie. Et c'est quelque chose qu'on travaille pas mal. Et voilà, on cible vraiment mon profil après, c'est-à-dire la montagne, les échappées, les efforts longs. Et voilà, tout ce qui est chrono, sprint, on le met un petit peu de côté, même si c'est toujours intéressant de travailler pour vraiment être optimisé au maximum mon potentiel. À 30 ans, tu arrives dans cette zone d'âge. Est-ce que l'entraînement change justement? Est-ce qu'on borne plus? Est-ce qu'on borne moins? Moi, je me rends pas compte. J'en ai encore que 29, hein, je suis encore jeune. Ouais, ça va, ça Mais va. non, bah, je suis un coureur qui a toujours fait pas mal de bornes. Et après, c'est sûr que je ne peux pas en faire à l'infini, toujours plus non plus. Il faut quand même avoir des périodes de récup. Mais moi, une saison à 30 000 bornes, ça ne me fait pas peur. C'est ce que je fais depuis 3-4 ans. Après, voilà, c'est la manière de les encaisser aussi qui change un petit peu, la manière de les disposer. Faire des plus gros blocs, des semaines à 30 heures que je ne faisais pas forcément par le passé, que j'arrive à encaisser maintenant. Et qui me font passer encore un cap aujourd'hui sans forcément mettre un gros volume supplémentaire sur le volume de l'année globale. Il y a une question là, on va l'écouter tout à l'heure. Benoît Cosnefroy, vous connaissez depuis un longtemps, depuis Chambéry, vous étiez même en chambre ensemble, je crois, il y a quelques années. Ouais, on était en coloc aux appartements du Chambéry Cyclisme Formation, qui est devenu 23 aujourd'hui. On a fait 2 ans dans le même appart, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 2 ans, ouais. Il en garde un souvenir ému. Il y a une question pour toi, on l'écoutera tout à l'heure. Non, là, la question, c'est sur Benoît. Alors, on parlait de la valise. Fred nous demande, elle est plus organisée que celle de Benoît, la valise? Ah oui, il n'y a pas photo. 7000 bordéliques. Ouais, il n'y a pas photo. Ouais. Allez, on va faire le petit questionnaire Bistro Vélo, puisque c'est ta première venue ici. On va essayer d'apprendre à découvrir un petit peu Nance Peters, mais vous le connaissez à travers ses victoires. Questionnaire Bistro Vélo de Nance Peters. Nance, ton meilleur pote dans le peloton? Dans le peloton,
Globalement, je discute avec tous les Français. Après, des quoi comme Bruno Armirail, je m'entends vraiment bien avec lui. On est très souvent ensemble dans le peloton. Et ouais, après. Mais je veux dire, Paul, c'est-à-dire, on part en vacances ensemble, on fait des trucs ensemble. Là, c'est les potes de boulot, Armirail et compagnie. Partir en vacances ensemble à l'époque où on était étudiants, on habitait tous ensemble au CCF, on partait en vacances ensemble. Maintenant, j'ai une copine, bon, je suis déjà toute l'année avec eux, je pars plus en vacances avec eux. Mais globalement, tout le groupe de Chambériens, que ce soit Rémi Rochat, Thomas Champion, Aurélien Paré-Peintre, on passe beaucoup de temps ensemble sur le vélo, à l'entraînement, et c'est plus que des coéquipiers ou adversaires, c'est vraiment des copains en dehors du vélo aussi, ouais. Ouais, Thomas nous en avait parlé, il est passé dans le bistrot il n'y a pas longtemps. Ton meilleur souvenir sur le vélo, Nance Peters? Bah, c'est il y a le Tour de France quand même, la victoire sur le Tour qui est énorme, mais après il y a aussi un très bon souvenir qui est le Tour du Valromey Junior en 2012, où on était c'était des équipes de 5 je crois. Il y avait Benjamin Jasseran qui avait gagné 2 étapes, j'avais gagné le général. On faisait ce qu'on voulait, on c'était un peu de la PlayStation et on était des super copains, enfin on est toujours des super bons copains. Et c'est des souvenirs énormes. On se consacrait à 100% pour le travail collectif les uns pour les autres et c'était top. Ouais, c'est ça qui soude ad vitam aeternam finalement. Ton premier coup de pédale, Nance Peters. Ça devait être à Saint-Maurice-en-Trièves, le village où habitaient mes parents. Je ne sais pas trop quel âge j'avais, mais sur une petite route où il y a personne chez nous, chez mes parents, il n'y a pas de circulation. Donc, sur la route comme ça, et après des poussins d'œufs, j'ai mis mon premier dossard, 2002. Comment tu viens au vélo? Les Mon frère, parents, hein? c'est mon frère qui en faisait, mon frère aîné de 5 ans, il faisait du vélo en club, et du coup j'ai voulu l'imiter, faire comme lui, et puis je suis issu d'une famille où mon père a toujours fait beaucoup de sport, il faisait du trail, après il a fait beaucoup de vélo étant jeune, et on partait tout le temps en vacances avec les vélos. Moi, j'étais tout petit, j'étais dans la carriole derrière mon père. J'étais pas encore sur le vélo. Et puis après, je suis monté sur le vélo. On était tous ensemble. Voilà, on faisait Canal du Midi, des choses comme ça à vélo. C'est plat, le canal du Midi, c'est l'avantage. Ouais. Alors, on va voir un petit peu ton idole de jeunesse maintenant. T'es jeune, tu me l'as dit tout à l'heure, 29 ans, c'est jeune. Ouais. Bah, c'est pas très glorieux, mais c'était Lance Armstrong. J'étais vraiment fan, un peu naïf, mais bon, c'est pas grave. C'est lui qui me donnait des étoiles dans les yeux quand il livrait des grandes batailles. Il montait l'école à des vitesses folles et moi j'étais des étoiles plein les yeux. Ouais, après, ça peut se comprendre, on ne savait pas tout, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été découvertes après. Lance Armstrong, à qui on a retiré cette Tour de France, mais qui est toujours en tête, hein, de tous les classements, je ne sais pas si tu as remarqué, ça, on ne lui a pas retiré. Et puis Lance Armstrong, qui est toujours le plus jeune champion du monde de l'histoire. Ça, c'était avant qu'on ne le prenne. Ton idole de jeunesse est fait. Ton pire souvenir sur le vélo? Le Tour de l'Avenir Ah. 2016, ma dernière année amateur, je m'étais cassé le fémur et en fait on ne le savait pas sur le coup. Bon, j'ai fini l'étape. Après j'avais mal, on faisait des massages, on mettait de l'arnica, de l'argile, de tout ce qu'on voulait. On pensait que c'était un coup, mais en fait non, c'était cassé. Je l'ai su que 15 jours après. J'avais passé une radio aux urgences, ils n'avaient rien vu. Et C'était où les urgences que j'y aille pas? pour Saint-Maurice. Alors on peut pas, on a des copains là-bas. Allez. De toute façon, tu es obligé. Quand tu es dans les montagnes, c'est au Bourg Saint-Maurice, tu es obligé de te retrouver là-bas. Il n'y a pas 25 Voilà. solutions. Tiens, il y a plein de messages. Il y a Tom qui nous dit j'adore Nantes parce que Nantes, c'est le panache. C'est comme ça que tu te définirais, toi? Ah ouais, complètement. C'est ça, moi je suis un coureur, quand je peux tenter des choses, je tente et je préfère exploser, finir à un quart d'heure, mais avoir tenté, pas de regret, que de rester dans le peloton, m'accrocher à la mort pour finir 15e. Ça m'intéresse pas. Enfin, si c'est mon boulot de faire équipier, pas de problème, je le fais à fond. Mais pour moi, personnellement, là où je suis le plus épanoui, c'est dans une échappée. Ah, petit message en loose day à Julien Jordi et à Vincent Lavenue, parce qu'il y a une présélection pour le tour.
que tu es dans cette présélection, mais que tu ne sais pas encore si tu feras le tour. Donc, tu es prêt à borner pour Ben O'Connor, on a compris. Ah ouais, 100%. Tu as vu, je te fais la pub en même temps. On va parler un petit peu du Bistro News. On n'a pas y mettre grand-chose. On va juste passer cette image incroyable. La quatrième victoire d'un Français sur Grand Wevelgem, après Jacques Antil, après Bernard Hinault, après Philippe Gaumont, le dernier. C'était en... Oh, j'ai oublié, Philippe Gaumont, ça devait être... dans les années 87, je dirais 87, comme ça, au hasard, eh bien, c'est bien sûr Christophe Laporte qui signe le doublé avec Wout Van Aert, un Wout Van Aert impressionnant, comme la Jumbo Visma qui vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche. Ce sera sur le Ronde van Vlaanderen, et sur le Ronde van Vlaanderen, il y aura ton copain, ancien colocataire, Benoît Cosnefroy, qui fera son premier ronde. Il avait une question pour toi, je t'invite à l'écouter, et nous, on va l'écouter avec toi. Alors, ah, salut Nance, du coup je voulais savoir si tu cachais toujours tes pièces de monnaie dans ta boîte à céréales depuis qu'on n'avait plus en coloc ensemble. J'adore cette émission, on apprend des trucs, moi ça me nourrit pour le commentaire. Donc tu planquais tes économies dans la boîte de céréales, dans les chocs à pic. Bah, alors là je l'ai pas du tout en tête, l'anecdote, il doit avoir un truc en tête, mais... À mon avis, il a trouvé du pognon dans la boîte de céréales un jour. Bah, il l'a trouvé, mais il ne me l'a pas dit. Il l'a bien gardé pour lui. Ah ben, on va lui en reparler. Donc, il a gardé ton argent. Non, ça me parle pas trop, là, son histoire. Mais faudrait que je lui redemande, parce que y a un truc, ouais. Où c'était pas à moi. Peut-être qu'il a cru que c'était à moi et... Mais non, j'en sais rien. On va lui envoyer un texto. Après l'émission, on va lui envoyer un texto à Benoît. Quoi qu'il a peut-être des trucs à faire. Benoît, c'est le copain, mais c'est le leader aussi. Leader, pas pour les classements généraux, mais voilà, c'est la pierre angulaire aujourd'hui de l'équipe. Facile, quand on est copain avec le leader. Ouais, Benoît, c'est un mec qui a... C'est un scoreur. C'est un mec qui, quand il est au départ, il est là pour gagner. Il n'est pas là pour jouer placé. Vraiment, c'est un mec... Bon, bah, les managers, ils adorent... c'est un mec à points. On parle beaucoup des points ici aujourd'hui, mais c'est aussi un coureur qui s'est parlé aux coéquipiers, qui s'est motivé tout le monde, qui s'est apporté une dynamique dans un groupe. Et voilà, bah, moi je me mets à 100% pour lui quand il est leader, parce que c'est un très bon copain, mais aussi parce qu'il fait l'unanimité dans l'équipe, et on sait que quand on bosse pour lui, derrière il va mettre au fond, donc on ne se pose pas la question, c'est une valeur sûre. Tiens, une question pour toi, c'est Lucas qui voudrait savoir. Dis-toi, tu as grandi dans les Alpes et tu as gagné dans les Pyrénées. Alors, tu préfères quoi, les Alpes ou les Pyrénées? Je connais la réponse, mais... Les Alpes, quand même. Ouais, je suis chauvin. Les Alpes, c'est quand même plus joli. Et puis, l'histoire du cyclisme dans les Alpes, c'est quand même plus marquant. Ça dépend. Vu des Pyrénées, ouais. C'est marquant aussi. Hein. C'est plus ancien, les Pyrénées, que les Alpes dans le cyclisme. Ouais, quand on va à l'international, on parle de l'Alpe d'Huez, des choses comme ça. Ça parle à tout le monde. Les Pyrénées, un petit peu moins. La mode Cervelex, tout ça, quoi. Les grands noms. Les grands noms, siège social, bien sûr, de l'équipe. Est-ce qu'on discute beaucoup avec ses compagnons d'échappée qu'on était à l'avant? Et qu'est-ce qu'on se raconte? Question sur YouTube. Non, on n'a pas trop le temps de discuter en échappée. Bah, même dans le peloton, maintenant, on n'a plus trop le temps de discuter. Il n'y a plus le temps. Avant, ça se posait et on pouvait discuter. Mais aujourd'hui, ni dans le peloton, ni en échappée, on se pose plus et on file toute la journée. Et voilà, après, dans l'échappée, il y a quand même quelques petits mots, des petits, surtout entre Français. On dit, voilà, on gère un peu l'écart là. De toute façon, c'est le peloton qui décide. On remet en route à tel endroit. Des petites brides de phrases comme ça. Lou Danvielle, il en reste quoi, cette victoire sur le Tour de France qui change une carrière? On a titré la dernière partie Nantes, la bonne étoile. Si je dis pas de bêtises, tu t'appelles Nantes parce que c'est le feuilleton Nantes le Berger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma mère m'a appelé comme ça parce qu'elle adorait ce feuilleton quand elle était plus jeune. Quand elle avait 18 ans, elle regardait ça à la télé. Donc voilà, elle aimait ce nom et elle m'a appelé comme ça. Nous, on a titré la bonne étoile de Nantes. Il y a une bonne étoile. On a vu tes courses gagner. Tu gagnes 3 courses importantes, 2 sur les grands tours et tu gagnes sur le Tour de France. Je crois que c'est le rêve de tout coureur français. Tu as fait ce rêve. Maintenant, tu veux aller où? Encore plus loin dans les étoiles? Ouais, bah c'est sûr que gagner sur le tour, c'est un rêve. Déjà, faire le tour, c'est un rêve de gosse. Gagner sur le tour, encore mieux. Après, voilà, j'ai encore fin de victoire. Beaucoup de monde me parle du triptyque Giro, Tour, Vuelta. C'est sûr que gagner sur la Vuelta, c'est un des objectifs que j'aimerais accomplir d'ici la fin de ma carrière. Mais chaque victoire est bonne à prendre et il n'y a pas de petite course, que ce soit une classe 1 ou pas, tout est bon à prendre. Et
suis preneur. À quoi on pense quand on passe cette ligne à Loudenviel? C'est une étape particulière. Hein. Derrière, il y avait Pogacar qui chassait. Non, c'était, oui, Pogacar, ouais, qui chassait, hein, pour reprendre des temps. Primoz, je lui dis vas-y. Bon, à l'arrivée, il n'aurait pas dû. Il y avait Zakarin aussi dans l'histoire, non? Ouais, il y avait Zakarin. J'ai attaqué au pied de Port Balès. On a fait la montée ensemble. Et puis, j'ai attaqué dans la descente pour le distancer. Et j'ai fait Perrosourd tout seul en tête. Il est revenu à 5-10 secondes, je ne sais pas exactement. Et puis après, je n'ai pas craqué. Et lui, il a craqué. Donc, je suis allé au bout. Et puis, bah, pour revenir sur ta question, qu'est-ce qu'on pense à l'arrivée, bah, c'est beaucoup d'émotions. Tu te rappelles de l'état d'esprit où tu étais? Déjà, je me disais à fond jusqu'au bout parce que je n'avais pas d'oreillette ce jour-là. Elle ne marchait pas. Au début d'étape, je l'avais laissée à la voiture. Donc, je n'avais pas trop d'infos sur ce qui se passait derrière. Donc, je suis vraiment allé à fond jusqu'au bout. Et c'est qu'à 500 mètres où je me suis dit, allez, profite, regarde autour de toi. Même si c'était l'année Covid, il n'y avait pas énormément de monde. Mais sur l'arrivée, il y avait quand même pas mal de monde. Et j'ai une photo où je mets la main sur le casque comme ça, j'ai les poils hérissés. Il y a quelqu'un qui a pris une photo, qui a zoomé, on voit mes poils hérissés comme ça. Donc, c'est le frisson de dire, ouais, j'ai accompli quelque chose de grand aujourd'hui, quoi. Tu l'as cette photo ou pas? Ouais. Parce que autrement, je crois qu'on l'a. Tu peux, Simon Farvac qui est en train, il y a plein de teufs la Tour de France. Et je crois que c'est celle-ci, cette photo. Alors, on n'a pas zoomé, mais on voit effectivement les poils qui s'irrissent. Et tout ça, cette ferveur de juillet, bah, te vaut aujourd'hui un fan club. Alors, j'ai appris ça. Les mecs sont complètement zinzin. La dernière fois, c'est quoi? 1 km? 1 km de Nantes? Ouais, tous les 10 mètres, ils ont fait 1 km comme ça. Et puis, ouais, ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. Dans le Mont Ventoux, ils l'ont fait l'an dernier. Ils l'ont fait dans le Grand Colombier. Ils l'ont fait sur le Giro. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ouais. Et c'est prévu, je crois, de le refaire cette année. J'espère bien. Je crois que je crois qu'ils ont prévu de le faire dans le Grand Colombier. D'ailleurs, cette année, à condition que tu sois sélectionné, hein, bien entendu, on va pas. On revoit d'ailleurs quelques images. Et ton fan club avait une question pour toi. La dernière vidéo de ce bistrot vélo Nantes-Peters. Mais on reste ensemble, il y a plein de choses encore à vous dire. Salut Peters, salut Guillaume, c'est Jérémy et Anthony du fan club Nantes-Peters. Si vous avez déjà vu Nantes écrit sur la route en peinture blanche, c'était nous. Du coup, Nantes, on a une petite question à te poser. Ouais, en fait, on m'a toujours dit que tu écrivais des poèmes au lycée. J'aurais bien aimé que tu nous en récites un, mais bon, ça va prendre un peu de temps. Et puis, vu la note que tu as eue au bac de français, on va peut-être éviter le malaise. Et du coup, la question, moi je voulais savoir si tu avais encore tes cales en bois que tu transportais de partout avec toi pendant tes années au Chambéry cyclisme. Et m'expliquer à quoi ça sert, parce que j'ai jamais compris le délire. Allez, salut. Et au fait, ça c'est un bouquetin, c'est pas une chèvre. Et je pense qu'il descend aussi bien que toi, celui-là. Ils sont durs avec toi, hein. Tu descends mieux que Zakarine. Alors, ouais, il y a pas mal d'infos là-dedans. Ouais, il y a pas mal d'infos. Moi, on va d'abord parler de ces cales en bois, et après je reviendrai sur les poésies, la note du bac en français. Alors. Ouais, bah, les deux là, c'est Jérémy et Anthony, c'est ça. Le fan club avec un troisième, Simon. Donc, avec eux, on était ensemble soit à l'IUT, soit au club à Chambéry Compétition. Et donc, on est resté potes depuis l'époque. Et du coup, Jérémy me demandait pourquoi les cales en bois. Donc, je mettais deux petites cales en bois au pied de mon lit, que ce soit chez moi ou en course. J'avais toujours ça dans ma valise avant. Depuis quelques temps, je ne le fais plus parce qu'une fois, j'ai oublié à l'hôtel et depuis, j'ai arrêté. Mais l'idée, c'était d'avoir un petit peu les jambes en l'air et un peu plus haute que le reste. Et ça facilite le retour sanguin à moindre effort, donc pour récupérer un petit peu mieux. Mais moi, voilà. Je connais d'autres coureurs et qu'il faisait. Jackie Durand faisait ça à son époque déjà. Ouais, non, mais c'est pas bête. Hein. C'est Eric Bouva qui nous avait dit ça à l'époque, le médecin d'AG2R qui était médecin à CCF. Et du coup, il nous avait sensibilisé là-dessus. Il nous a dit, c'est un petit truc qui coûte que dalle, faites ça. Et voilà, donc j'avais adopté ça et j'aimais bien. Et tu as arrêté parce que tu as perdu tes cales? Ouais, non mais… non mais je sais pas, on pourrait demander, je sais pas, quand il y a Nantes, on met deux cales dans le bus, quoi, on le sait. non, j'avais toujours mes petits pavés là, en bois dans la valise avant. Mais bon, c'est vrai que c'était contraignant, parce qu'en plus, la moitié du temps, les lits sont sur roulettes dans les hôtels, donc… Des fois, c'était un coup à se réveiller au milieu de la nuit et boum, 10 centimètres plus bas. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, allez, c'est la bonne occasion. J'ai pas oublié hein, les poèmes. Les poèmes. Un petit côté écrivain, Nantes-Peters. Il aime les vers. Ouais, non, non.
C'est vrai que les cours de français ou de philosophie au lycée, c'était pas trop mon fort. Du coup, je me suis dit, j'étais parti dans un délire comme ça avec deux copains. Et j'avais écrit des trucs comme ça, mais non, non, c'était. Tu les as pas gardés? Non. Mais si tu les avais gardés, tu me le dirais pas parce que je te demanderais le délire. Non, ce serait pas très beau, je pense. Et la note de français au bac? Deux. On peut en parler? Deux. Ouais. Hors sujet. Ah bah voilà. T'as pris le risque. Qu'est-ce que le risque? Le risque, c'est ça, t'as rendu la copie vierge. Voilà. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient oublié une feuille, mais du coup, j'ai demandé à la voir. Et non, il y avait bien toutes les feuilles, il y avait écrit hors sujet, hors sujet, hors sujet. Voilà. Ah, t'es tombé sur un dur. T'es tombé ouais. Probablement sur, sur un gros dur. On va revoir des vidéos là, de ses amis, les fans du club Nantes Peters. Tu arrives à les voir en plus en course. C'est-à-dire que deux, trois fois, t'es débrouillé sur les courses et tu arrives à passer un petit moment. Ça te donne un petit supplément d'âme là quand tu sais qu'ils sont sur les courses, obligés d'en l'échapper, j'imagine. Déjà, on peut pas les rater parce que quand ils sont au bord de la route, ça crie, ça klaxonne, il y a des déguisements. Avant d'arriver à leur niveau, déjà, je sais plus ou moins où ils vont être. La veille, ils m'ont prévenu. Et puis, bah, la route, elle est repeinte à mon nom, donc c'est assez visible quand même. Et si je suis lâché et que j'ai le temps, bah, je m'arrête, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Puis je les remercie d'être venus aussi m'encourager. Et puis après, quand je suis échappé, bah, ça pousse, ça fait plaisir. On essaiera de venir, nous, la prochaine fois. D'ailleurs, vous pouvez devenir membre du fan club Nantes Peters. Il y a un t-shirt, il y a la casquette, il y a même les goodies maintenant. Ouais, c'est ça, ils sont à fond. Chaque année, ils font un petit truc de nouveau. Voilà, cette année, ils ont ce t-shirt là, ils ont tout prévu, hein, ils me l'ont même donné. Ah, je le vois pas bien, tu peux le mettre au centre, on l'a pas bien vu, parce que moi j'avais la photo d'un autre, ah il est bien. Voilà, ils ont les casquettes, cette année c'était le garde-boue, cette année je sais pas ce qu'ils prévoient, enfin voilà, c'est chaque année une petite nouveauté. Il faut se faire une teuf, un de ces quatre, pour les remercier en fin d'année. Ah ouais. Ça fait, moi je viens, Chambéry, y a aucun problème. Pas de problème. On a verra l'invitation. Ouais, au col du Granier par exemple, comme bien Samuel Dumoulin, je crois que dans son ancienne boulangerie, il avait fait le granier avec son frangin. On viendra manger des graniers avec vous. Parlons du Giro un petit peu. Revoyons ces beaux moments. C'est quand même beau, quoi. Tour de France, Giro. En Tulse, encore une étape de montagnard. C'est ta première grande victoire, celle-là. Ouais, en solitaire. Bah, de toute façon, elles sont forcément en solitaire parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas bon au sprint. Et ouais, j'avais mis une seule attaque. Voilà, j'avais rien à perdre. J'avais été maillot blanc un peu plus tôt sur le Giro. Donc, je dis, allez, je tente. S'il y avait des gros noms, et je pense qu'ils sont un petit peu marqués, un peu regardés, ils ne me connaissaient pas. J'ai tenté. Puis après, voilà, il y a une petite histoire sur le site d'arrivée. C'était le pas de tir de biathlon d'Anter Selva. Exact. Et voilà, quelques mois plus tard, il y a Emilien Jacquelin qui a été champion du monde sur ce même pas de tir. Donc, c'est une belle histoire. Emilien Jacquelin qui est assez proche de l'équipe. Ouais, il était encore là sur les Strade Bianche. Il avait besoin de se ressourcer un petit peu après sa saison de biathlon un peu écourtée. Et il était dans le coin là-bas. Du coup, l'équipe l'a invité à passer la journée au bord des chemins et de vivre ça de l'intérieur. Vous avez entendu un bruit, c'est mon portable qui vient de tomber. Vous vous inquiétez pas. Je vais prendre des questions. On va quand même parler de ta saison. On a parlé du Tour de France. Tu es dans la présélection. Il y a cet objectif d'être dans les 102, 103, 104, j'ai oublié le chiffre, coureurs qui ont remporté une étape sur chaque grand tour. Parmi les Français, il y a Thibaut Pinot, il y a Romain Bardet, à qui il manquerait une étape sur le Giro. Vous êtes plusieurs comme ça. Toi, c'est sur la Vuelta. Est-ce que tu vas faire la Vuelta, quoi qu'il arrive cette année? C'est pas prévu pour l'instant. Après, si jamais je ne suis pas sélectionné au Tour, ce que j'espère pas, peut-être que je basculerai sur la Vuelta. Parce que je suis quand même un compétiteur. Hein. Je ne tomberai pas en dépression si je ne suis pas sur le Tour. Mais voilà, pour l'instant, je suis focus sur le Tour. Vraiment, c'est mon gros objectif de l'année. Est-ce que tu penses, on en a parlé, c'est une question, c'est Peggy qui demande ça, qu'avec les nouveaux fantastiques, là, les Pogacar, les Evenepoel, ça laisse moins de possibilités d'aller chercher des étapes sur les grands tours? Je ne suis pas sûr. En montagne, c'est compliqué parce que c'est des étapes décisives. Et donc, ils vont faire rouler. C'est ça, en fait, on voit qu'ils ont faim de toutes les victoires. Ils ne laissent rien aux autres, en fait, parce qu'à l'arrivée, il y a 10, 6, 4 secondes de bonif. On voit que sur la Catalogne, ça s'est joué à 6 secondes.
Donc, si le coureur est bien, il va faire rouler son équipe pour prendre 4 secondes d'avance sur l'autre. Et voilà, et tuer l'échappée pour 4 secondes, alors qu'il pourrait se faire la guerre derrière pour une seconde bataille pour le général. En niveau, ils sont tellement proches que c'est vrai que maintenant, ça joue à la bonif. Et on fait rouler à 80 bornes de l'arrivée pour aller chercher une bonif pour Evenepoel, pour Roglic et les autres, puisque là, tu étais en Catalogne. Ouais, bah, on l'a vu même... Même la 4e étape, je crois, au bout de 70 bornes, l'échappée n'était pas partie, ils ont fait la bonif. Au bout de 130 bornes, l'échappée était déjà reprise, ils ont fait la bonif. En fait, c'est... Ouais, ils prennent tout, quoi. C'est des sprints à point, mais aussi bonif. Donc les sprinteurs, ils les tuent, les grimpeurs, ils tuent, les échappés, ils tuent tout, en fait. Et... Ça tue un peu la course. Mais bon. Non, mais c'est peut-être à réfléchir, hein, les organisateurs. Je ne pense pas qu'ils aient envie à chaque fois de voir les échappées être prises. Donc, il faut peut-être enlever les bonifs à l'arrivée. Ouais, Thierry Gouvenou et tous ceux d'ASO pensent à ce genre de choses. Hein. Là, on avait enlevé des bonifs sur Paris-Nice. On les avait doublés, sauf que ça fait l'inverse. Sur Paris-Nice, tout le monde est allé chercher la bonif. Pardon, non. Pour nous, les coureurs... Ouais, pas de souci. Pour nous, les coureurs... qui sont dans un second rideau, c'est un peu dommage, mais à la télé, ça rend super bien. Des batailles Evenepoel, Roglic, il n'y a pas tout à jeter non plus. Hein. Je pense que celui qui est devant sa télé, il trouve ça trop beau. Parce que même à commenter, hein, je te rassure. Et... Hein. Quand ça part à 80 bornes de Gambé-Velgen, c'est mieux que quand on attend la dernière montée du Kemmel. Ah bah oui, ah bah, c'est sûr. Et puis, non, il y a quand même une démarche qui est faite pour livrer du spectacle avec des bonifications qui sont posés à 15 bornes de l'arrivée, comme on l'a vu à Paris-Nice. Et des fois, les coureurs ne se relèvent pas, alors que normalement, c'est une échappée dédiée aux sprinteurs, une étape dédiée aux sprinteurs. Et là, ils partent en échappée. Donc, ça fait de la course quand même, les bonifs. Et je pense que c'est une bonne chose de les garder quand même. On a plein de questions. On va en prendre quelques-unes comme ça. Et puis, on va te laisser. Il est déjà 18h32. Hein, tous les lundis, 18h, YouTube, c'est Bistro Vélo. La semaine prochaine, ce sera Valentin Madouas, peut-être le vainqueur du Flandre, imagine. Il gagne le Tour des Flandres le lendemain. Bon, on pensait que tu allais gagner la dernière étape à Montjuïc, tu vois, ça n'a pas marché. Chez G2R Citroën Team, on a un petit peu perdu l'ADN de l'équipe sur les grands tours, même s'il y a Ben O'Connor, c'est Clément qui dit ça. Sur les classiques, c'est un peu compliqué. On sait que Greg Van Avermaet était grippé. On va voir comment ça va se passer. Ce sont quoi les réels objectifs de l'équipe cette année? Ça, faut demander à Vincent Lavigne. Je sais, c'est une question pour Vincent. Ça. Non, mais... Non, je pense que nos ambitions au niveau du classement général sont encore très élevées. On a Ben O'Connor qui marche très fort. Il l'a prouvé. Il a été malade sur Tirreno. Ben, voilà. Ça a été compliqué après de reprendre. Il va revenir en bonne forme. C'était juste la maladie qui lui a pourri son début de saison. Il a fait 3 saisons énormes par le passé. Là, le début d'année, Down Under était très fort. Il a été un petit peu malade là, donc il était un tout petit peu en dedans, mais voilà, pas d'affolement. Mais on a aussi Félix Gall, Aurélien Paré-Peintre qui marche très fort, qui va être leader sur le Giro. Aurélien, il peut jouer les tout premiers rôles. C'est un futur grand coureur de classement généraux. Avec une très belle victoire d'ailleurs cette année, hein, comme toi, c'est l'autre belle victoire. C'était sur le tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes, la dernière étape. Ouais. Non, Aurélien, il va faire un très beau Giro, j'en suis sûr. Et on a quand même des très bons coureurs pour le classement général. Après, sur les classiques, on voit que les Jumbo sont aussi très très forts, mais on a fait très peu de courses, il y en a eu 4-5. Il faut faire les comptes après Liège, on va dire. Il y a les Flandriennes, les Ardennaises. Faut pas faire les bilans tout de suite pour l'équipe. Et puis on a Benoît qui rentre aussi sur les Flandres, Greg qui était un peu malade. Voilà, c'est des courses très aléatoires aussi avec la météo, donc. Oliver, Stan, Benoît, Greg, je ne me fais pas de soucis pour eux. Il y a forcément une course où il va avoir un coup d'éclat. Une autre question, qui n'est pas forcément pour toi, mais elle est là, je la prends. Hein. On aimerait bien voir Benoît Cosnefroy sur le Tour de France. Est-ce qu'on va revoir Benoît sur le Tour? Moi, je pense que Benoît, il ne faut pas qu'il m'écoute, n'est pas un coureur de Grand Tour. En tout cas, à chaque fois qu'il est allé sur des Grands Tours, il a eu des problèmes. Par contre, Grand Prix de Montréal, course d'une journée, Amstel l'année dernière, c'est plus dur pour l'instant pour Benoît sur les Grands Tours. Tu partages cet avis? C'est sûr que Benoît, c'est un coureur de course d'un jour qui cible et qui marche énormément sur la fraîcheur. Après, sur les grands tours, il y était souvent pour espérer prendre le maillot jaune au début, quand ça a été le départ en Bretagne, quand je crois que c'est Van Der Poel qui avait gagné le premier jour. C'est ça le problème. C'est que là, il va y avoir Alaphilippe, il va y avoir Binyam Girmay,
va y avoir Mathieu Van Der Poel, qui vont tous essayer d'aller chercher le maillot jaune sur les premières étapes. Bien sûr, mais Benoît, il fait partie de ces grands coureurs qui sont capables de gagner dès le premier jour ou le deuxième jour à Bilbao. C'est puncher, peut-être grimpeur aussi, ça, c'est très très dur, mais Benoît, sur la fraîcheur, sur une première étape, il peut être très très fort. Et en tout cas, il est dans la pré-liste pour le Tour. Après, c'est sûr qu'en deuxième, troisième semaine, c'est moins son avantage parce qu'il récupère moins bien. Bon, après, s'il prend le maillot jaune dans les trois premiers jours, le Tour est fait. C'est ça. Et puis, le Tour lui sert pour la suite. À chaque fois, il a fait des gros mois d'août, gros mois de septembre. Grâce au Tour de France, la surcompensation qu'il a eue derrière lui a fait décoller et décrocher ses grosses victoires à la suite du Tour. Donc, il faut regarder dans l'ensemble. On va regarder le programme, nous, de cette semaine sur Eurosport, une semaine qui a déjà bien commencé avec ce Bistro Vélo Nantes Peters, mercredi à travers les Flandres, le Grand Prix d'Indurain, ne ratons pas le Grand Prix d'Indurain, ce sera à 15h, ce sera en direct, et puis dimanche, c'est Ronde 2, Tour des Flandres, 9h55 en compagnie de Steve Chenel, de Jackie Durand, Philippe Gilbert sur la moto, les filles également à 15h, lundi 18h, Bistro Vélo, avec Valentin Madouas qui sera justement sur le Tour des Flandres. On n'a pas parlé du Mondomètre et du Françomètre, on ne va pas en parler aujourd'hui, juste vous rappeler qu'il y a eu de belles victoires françaises cette semaine, puisqu'il y a eu deux victoires pour Rémi Cavagna, c'était sur la semaine Coppi Bartali, Alexis Guérin, je ne sais pas si tu as suivi ça, qui a la Bingle, 95 km d'échappée solitaire. Mieux que Evenepoel, mieux que... Il a gagné Alexis. Et puis, ça fait plaisir de voir Cyril Barthes, également l'ancien de la B&B Hotel, qui est reparti à Burgos Biatch, qui s'est imposé sur le tour. C'était le tour d'Alain Thérault. La suite de ta saison, je t'en ai pas parlé. Ça, c'est... On en a parlé off tout à l'heure, mais c'est important. On va regarder quelques teufs, des photos comme ça de Nantes qu'on doit avoir dans un petit dossier pendant ce temps-là. C'est quoi maintenant? Là, sur le mois d'avril, je vais aller à Paris-Camembert, Besançon, Doubs, Jura, le Tour de Romandie, ensuite une petite coupure à la fin du mois, et prépa tour, donc stage en altitude en Sierra Nevada, le Dauphiné, le championnat et le Tour de France, j'y compte bien. En tout cas, dans ma tête, il y est, quoi. On va vous laisser, ils vont vous laisser, les Julien, les Stéphane, les Vincent sous pression jusqu'au championnat de France, comme d'habitude. Il y aura peut-être une partie de la liste dévoilée. Après, quand je serais surpris que Ben O'Connor ne fasse pas le Tour de France. Ouais, lui, il a déjà sa place à titrer. Il a déjà son nom sur le siège dans le bus. D'accord. Et après, quand on sort du Dauphiné, on voit bien si on est dans le coup ou si on ne l'est pas. Il y a beau avoir 16 noms aujourd'hui. Au mois de juin, il y en a toujours 3 qui sont blessés, qui sont malades, qui ne sont pas bien, qui sont en vrac, qui ne sont pas conservés dans l'équipe, qui sont des trucs comme ça. Et du coup, c'est à peu près, c'est pas trop une surprise quand on nous dit t'es sélectionné ou tu l'es pas. Un grand merci, Nantes. C'est un plaisir de passer 38 minutes merci avec toi parce que derrière le casque, derrière les espoirs, on connaît moins les garçons et grâce à Bistro Vélo, on voit que c'est quelqu'un qui aime parler, Nantes Peters notamment. Tiens, j'ai pas parlé du pingouin. Je peux employer ce surnom, le pingouin C'est comme problème. Ça, c'est ton surnom, c'est même sur tes pompes. J'ai vu ça sur une petite vidéo, là, tes nouvelles chaussures. Van Riesel, je pense, je vais dire une bêtise. C'est ça. Chaussures Van Riesel, carton. Donc, il y a un petit logo, le même que celui du fan club, il y a juste écrit Peters. Et de l'autre côté, il y a un petit pingouin, parce que par rapport à mes sourcils et au fait que sur le vélo, vu d'hélico. Parce que le panda s'était déjà pris. Non, mais vu d'hélico, mes épaules, je vais de droite à gauche comme ça, donc je suis assez reconnaissable. À la télé, je bouge beaucoup sur le vélo, donc ça vient encore de Jérémy du fan club qui m'a surnommé comme ça. On les remercie, Jérémy Anthony, le fan club Nantes Peters. Adhérez au fan club Nantes Peters pour faire des bons moments de convivialité, parce que je crois que c'est ça le but et c'est ça l'ADN même du vélo. Un grand merci à Simon Farvaille qui est là, un grand merci à Quentin Guichard qui a fait tout l'habillage, et puis un grand merci également à monsieur Lucas Ferron, votre responsable de la com, qui nous a bien aidé pour les vidéos, pour tout ça. On reçoit un autre coureur, Tic Tac, la semaine prochaine, un peu comme toi. On le reconnaît bien dans le peloton, c'est Valentin Madouas. Lui aussi, il bouge bien les épaules. Salut Nantes. Merci beaucoup.